Regarde-moi, c'est fini. Quoi, je suis heureux. Et tu sais pourquoi? C'est les vacances, ne rien faire. C'est la durelois. Et quand on parle vacances, ça veut dire? La grasse matinée. Piscine, soleil et bronzage. Et pour toi, Kim? Désolé, mes projets sont top secret. Ton top secret, ce serait pas une jolie brune aux yeux verts, par hasard? Elle a fini par accepter de venir avec moi au cinéma. Et aussi de m'accompagner au skatepark. Et le reste, c'est ma vie privée. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une interro de maths à la rentrée. Oh là là, Bob, quel rabat-joie! Tous au skatepark! Moi, il faut que je repasse à la maison. J'ai promis d'aider mon père à l'épicerie. Pas de problème, Hakim. On va t'accompagner. Et le dernier arrivé, pelle et glace. Jessica, on patine. Allez, encore un peu doucement. Encore. Top. Ah, Hakim, tu viens me donner un coup de main? Et j'ai trouvé quelques bras supplémentaires. À nous cinq, on n'en a que pour quelques minutes, monsieur Swab. Merci les enfants, c'est très gentil de votre part. Allez le costaud, attrape. C'est à toi de jouer. Cinq minutes, tu es sûr? Oui. Posez-la sur mes épaules. Oh, oh là là! Qui est-ce qui parlait de vacances tout à l'heure? En tout cas, moi, je suis épuisée. Dites, je suis un peu gênée en ce moment. Ça vous embêterait de m'accorder un petit délai de paiement? Alors? Écoutez, monsieur Swab, vous imaginez un peu si tous mes clients me demandaient la même chose? Mais je vous paierai le total de la facture. Je vous donne une semaine. Oh, 15 jours? Non, j'ai dit 8 et pas un jour de plus. Ça se passe bien, papa? Ne t'inquiète pas, Kim. C'est simplement que les affaires sont un peu calmes. Mais ça va vite reprendre. Eh, dites donc, vous avez travaillé dur. Alors, j'offre une tournée de glace pour tout le monde. Quatre quoi? Quatre yaourts dans la journée. Mon père n'a vendu que 4 yaourts en tout et pour tout. Mais c'est incroyable, ça! Où sont passés tous ces clients? ...82,75%. C'est le dernier pourcentage d'habitants se fournissant au Walmart. Mais je ne vous cache pas que mon objectif est d'atteindre très vite les 100%. Mes sincères félicitations. C'est vraiment formidable. Oui, mais quand, Enzo? Quand quoi, monsieur Rotter? Quand pourrez-vous atteindre les 100%, Enzo? Oui, c'est vrai, ça. Oui, quand et à quelle heure? Je vous accorde une semaine pour atteindre l'objectif de 100% de fréquentation pour le World Mart. Faites l'impossible, vous avez carte blanche. Vous ne serez pas déçu, monsieur Rotter. Vous pouvez me faire confiance.
Regarde pas. Le monde est à vous. Votre centre commercial préféré ouvre ses portes dans quelques secondes. Bienvenue à la quinzaine de folie. Des prix de fous, des cadeaux à vous rendre complètement fous. Il n'y a personne à leur quinzaine des fous. Un, deux, trois. C'est parti pour une nouvelle journée de folie. Qu'est-ce que tu disais, Jessica? Et n'oubliez pas les offres exceptionnelles sur les soldes monstres qui ont lieu par TD. Où on est là? Oh non! On y est, porte D. Le nombre de clients du Walmart ne cesse de grimper. Encore quelques jours et j'atteindrai enfin mon objectif de 100%. Wow, Marc, le monde est à nous! Maintenant, il est temps de passer à la phase 2 de mon projet Opération Séduction. On ne peut pas laisser l'épicerie comme ça, sinon Monsieur Swat fermera. Qu'est-ce qu'on peut faire? La concurrence est bien trop dure. Vous avez vu comme moi les moyens qu'ils ont dépensés pour se faire toute cette pub? On pourrait faire la même chose. Mais en plus petit, bien sûr. On prend le risque d'être franchement ridicule. Non, Bob, on ne sera pas ridicule si on le fait avec tout notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, avec notre cœur? Vous avez vu comment mon père réagit avec ses clients? Il leur parle, il sait les écouter, bref, il est humain. Et nous, on devrait faire de la pub humaine. Tu as raison. Bob, tu vas mettre une sono devant le magasin. Moi sur mon skate, Akin sur ses rollers, musique et démo, ça devrait attirer le client. Et moi, je fais la pub. Opération World Swap. Alors dites-moi, on dirait que ça marche pas mal les affaires, hein? Oh, ma parole, les gars, vous avez vraiment mis le paquet! Oh, Walmart! Le monde est à vous! Allons, allons, voyons les enfants, il ne faut pas se laisser abattre. C'était parfait ce petit conseil. On ne va pas tout laisser tomber, quand même. C'était chouette comme idée, vous savez. Mais comment voulez-vous qu'on fasse le poids avec notre sono de 20 watts? Il doit pourtant y avoir une solution. En attendant de trouver ce qu'il faut faire, on peut toujours commencer ensemble nos révisions. Je demande à ma mère de commander une pizza et on rattrape le temps perdu. Oh non, Bob, je veux surtout pas de pizza. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Une pizza. Tu n'aimes plus ça? Bien sûr que si, et spécialement quand quelqu'un les apporte. Et toi, je t'adore plus que tout. T'es génial. Si vous voulez mon avis, je crois que c'est le surmenage. Livraison à domicile, voilà la solution. Hakim le fait quelquefois pour son père, mais nous, on peut s'y mettre aussi. Depuis le temps qu'on fait du roller, on connaît la ville sur le bout des doigts. On connaît les raccourcis. Les moindres recoins de la ville. Et on va être les meilleurs. Les meilleurs livreurs de l'épicerie Swab. Ouais. Allons-y, c'est parti. Ouais. Allô, oui, madame, c'est le service de livraison à domicile de l'épicerie Swab à votre service. J'écoute. C'est ça, madame. Nous pouvons vous livrer en 30 minutes. Oh oui, bien sûr, madame, je prends votre commande.
C'est vraiment gentil à vous de nous aider, Monsieur Poukowski. Ben non, c'est la moindre des choses entre voisins, et puis j'en ai assez de voir ma femme rentrer tous les jours complètement épuisée du Walmart. Alors, les enfants, nous visons donc une bouteille de lait, deux plaques de chocolat, et aussi un petit paquet de lessive. Top chrono, partez! Allez-y, 30 minutes et surtout pas de plus! Allô? Épicerie Swab? Livraison à domicile? Que puis-je faire pour vous? Une erreur dans la commande? Non! C'est parfait! C'est pour moi! Merci, mademoiselle! Bon. Gentil chien! Au secours! Ah non, désolé, madame. Les livraisons sont terminées. Non, n'insistez pas. Je n'ai plus aucun livreur disponible. Dès demain. Oui, bien sûr. Au revoir, madame. Oui. Oh ben, on sentait. Et en améliorant le processus de vente, la courbe de productivité à l'achat dépasse celle de potentialité de livraison. Donc, la question est, et elle peut être essentielle à l'examen, la vraie question est, et qu'est-ce qu'il est réellement possible de faire réviser à des livreurs épuisés? Debout là-dedans! Oh et... Livrer quoi? Oh, d'accord, j'y vais tout de suite. Très bien, une bouteille de jus d'orange, du jambon et un salami. Oui, madame, j'ai compris. Du produit de vaisselle et un paquet. Grâce à la phase 2 de mon opération, je peux vous annoncer dès aujourd'hui, monsieur Rotter, que 99,25% des habitants viennent au World Mart. Et où vont les 0,75% manquants? Regardez ce que les caméras de surveillance ont filmé ces jours-ci. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez besoin que je vous fasse un dessin? Eh bien imaginez que c'est de la livraison à domicile! Ne vous inquiétez pas, monsieur Rotter. Je vais pallier à ce petit problème. Je vais passer à la phase 3 de mon projet. Tout va bien, je m'occupe de tout. Vous avez entendu, bande d'incapables, on passe tout de suite à la phase 3. Nous devons impitoyablement éliminer toute la concurrence. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je ne veux plus qu'une seule livraison de ces mômes arrive à son destinataire. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, c'est ça! Et pourriez-vous me livrer tout de suite à cette adresse? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est au hangar 12, quai numéro 1. Bien. 30 minutes, madame. Elle avait vraiment une drôle de voix, et puis je trouve que l'adresse est étrange. Oui, mais regardez cette commande. Ah, c'est génial. Je fonce. À tout à l'heure. Oui, ce sont mes paquets! Oh, quel brave garçon! Mais tu veux voir ce qu'on en fait de ta commande? Voilà! Si tu n'as plus de vélo, finis les commandes et votre petit service de livraison!
Et surtout que ça vous serve bien de leçon à toi et tes copains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai trouvé ça louche comme adresse. Mais Bob n'a pas voulu rater une telle commande. Bon, je crois qu'il vaut mieux aller y jeter un œil. Allons-y. Pour te sortir de là. Ça y est, hein? J'ai trouvé. Ouais. Ne bouge pas, le roi de l'évasion va te sortir de là. Vas-y, Bob, tu peux monter dans les mâchoires. Tu crois vraiment? Tu en es sûr? Ne t'inquiète pas, Bob, je maîtrise parfaitement ce genre d'engin, tu sais. Vraiment te servir de ces engins-là? C'est simple. Regarde, le bouton vert, c'est pour fermer et le rouge pour ouvrir. Je vais te faire une démonstration. Pourtant, logiquement, c'est bien le vert qui aurait dû... Ouais. Si c'est Oul et Igan qui ont broyé ton vélo, ça veut dire que c'est encore un sale coup d'Enzo. Mais il y a plus important, c'est que je suis contente de vous retrouver. Maintenant qu'il nous surveille, on ne va plus être tranquille pour faire les livraisons de ton père. Pourtant, il va falloir continuer. Mon père a absolument besoin de l'argent des commandes pour payer ses factures. Et le chauffeur revient demain. Il faudrait détourner leur attention. À quoi tu penses? Maintenant qu'ils vont suivre Johnny, on va pouvoir faire nos livraisons tranquillement. J'espère que Johnny va s'en sortir. Ne t'en fais pas. Sur un skate, c'est lui le meilleur. Et pour une fois que je ne fais pas lapin. Allô? Ouais, je suis prêt. Je le vois, il arrive. Maintenant, il est à toi. Il doit forcément passer par la rue principale. Ici, je suis aux premières loges. Je vais... la voir. Coucou. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as eu? Allô, chef. Oul et moi, on a eu un petit problème. Et si ce sont mes paquets que tu voulais, il fallait me le demander. Mais tu vas être déçu, il n'y a pas grand-chose dedans. Merci. Il faut faire vite! Le chauffeur doit être là! Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a même pas le compte.
Je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance. Je ne comprends pas. Attendez encore un peu. Oh. Stop! Ça devrait suffire à payer la facture de Monsieur Swab. Ah. Il y en a même beaucoup trop. Tenez. Vous avez été formidable. Merci mille fois, les enfants. Oh, venez là que je vous embrasse tous. Et moi, alors? On m'oublie? Ouais! Pour Johnny et Pépite, hurrah! J'ai fait les comptes et les dépenses de vos trois phases infaillibles. Non seulement vous n'avez pas atteint votre objectif, mais en plus... vos plaisanteries me coûtent une fortune. Sans compter votre catastrophique quinzaine de folies. Mais... Ne m'interrompez pas, Enzo. Je vais devoir prendre des mesures draconiennes. J'ai décidé de faire des économies. Tout d'abord, terminer les primes. Et ensuite, je trouve votre bureau beaucoup trop luxueux. Suivez-moi par là. Voilà un bureau fonctionnel, pratique. Tout à fait le genre de bureau pour l'incapable que vous êtes. Mais enfin, monsieur Rotter, je peux tout vous expliquer. On s'en est plutôt bien sorti de ce contrôle. Ouais, j'en dirais pas autant de mon rendez-vous avec la belle brune. Elle a profité des vacances pour trouver quelqu'un d'autre. Moi non plus, j'ai pas eu de chance. Le soleil et la piscine ont également trouvé quelqu'un d'autre. Vous vous plaignez devant moi? Vous croyez que c'est drôle d'être à pied? Toi, à pied, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Bob? Hey, l'épicerie remarche. Mon père voulait nous remercier d'avoir passé nos vacances à travailler. Tiens! Ouais! Le dernier arrivé paie les glaces. Hakim, va porter ça chez Madame Bernat. Merci pour le vélo, Monsieur Swab. Vous n'auriez pas dû. Ah, tiens les enfants, puisque vous êtes là, ne bougez pas. Vous allez me faire les petites livraisons. Restez là, hein, je reviens tout de suite. Je n'en ai que pour une petite minute. Désolé, Monsieur Swab, mais... Voilà, c'est... On a des devoirs à faire. Pour un contrôle de géographie. Bon, bah tant pis. En fait, dis-moi ma chérie, tu sais toujours comment on fait du vélo, n'est-ce pas? Et parce que j'ai une petite course à te faire faire, mais tu n'en auras pas pour très longtemps, tu sais.